Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent de Scrap Didi et de Odile M. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai fait une toute petite séquence pour vous montrer comment j'ai réalisé avec mon tag, avec le pochoir de Scrap Didi du jour numéro 7. Donc je vais déjà commencer par ouvrir le calendrier de Scrap Didi. Donc le voici, voilà, je vais prendre donc le numéro 8 et on va venir découvrir ça ensemble. Alors, hop, je vais prendre mon coupe-enveloppe. Voici donc le numéro 8, j'ai un peu abîmé mais bon, c'est pas grave en soi. Alors, découvrons. Oh, c'est magnifique. Le chemin des créations, donc feuillage, la collection feuillage. Ah oui, d'ailleurs, quand j'étais au salon création et savoir-faire, Scrap Didi, pour un montant, j'ai eu un petit cadeau, voilà. De cette collection, le chemin des créations feuillage, et merci à elle d'ailleurs, puisque ouais, et j'ai pris aussi, je vous montrerai quand je ferai mon haul parce que j'ai pas eu le temps vraiment, et je vous montrerai ce que j'ai acheté dans son stand. Donc voici ce qu'on a donc eu dans la pochette. Numéro 8, très très joli, j'aime beaucoup en plus les couleurs, j'adore. Ouais, je vais essayer de reproduire ceci, voilà, avec enfin les mêmes couleurs en soi. Très joli, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont, enfin, j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir découvrir le. Le calendrier numéro 8 de Odile. Alors, numéro 8, voici. Oh, mais il n'y a pas de numéro qui est tombé en dessous. Je regarde quand même parce que non, je crois pas. Et ben écoutez, on va découvrir ensemble. Bon, là, bah, on voit bien hein, à travers, c'est une tablette de chocolat. Merci, Odile. Alors, vraiment, désolée, j'ai eu un appel, je ne l'ai pas vu, j'étais en train d'enregistrer, donc ça a complètement décalé, donc j'en suis désolée. Donc là, pour le coup, je suis en train de vous montrer voilà, ce que Odile m'avait offert le jour 8, donc aujourd'hui. Toujours, puisque là je suis en pause et je reprends à 16h, donc là je viens finir ma vidéo, je voulais la poster avant d'aller au boulot, mais bon, ça me demande encore plus de travail et de faire, voilà, en voix off. Donc là je découvre une tablette de chocolat, merci à toi Odile, merci infiniment, je vais me régaler et merci encore. Donc là on va découvrir le cadeau numéro 8. Avec un joli papier et vraiment superbe. Donc on va découvrir à l'intérieur voilà ce qui s'y trouve, hein, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est? Ben c'est une paire de ciseaux. Merci infiniment. On a toujours besoin et là je vais donc le tester. Donc je vais venir couper mon papier là, le papier cadeau que Odile a enveloppé, donc la paire de ciseaux. Et je vais donc l'utiliser pour venir prendre ma perforatrice en forme de cercle et pouvoir utiliser donc voilà ce cercle pour le jour 8 pour réaliser voilà ma création sur le tag jour 8. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour cette paire de ciseaux et
elle coupe super. Enfin, ouais, la paire coupe très très bien. Merci, merci Odile. Donc voilà, je l'ai déjà rangée. Hein. Allez hop, c'est parti. Je vais pouvoir m'en servir. Et puis là, je dis comme quoi que voilà, je vais refaire d'autres cercles pour venir faire un emblissement sur le tag numéro 8. Voilà. Donc ensuite, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec l'ouverture voilà, des calendriers 6 et 7. Donc je suis partie donc là chercher. Non, même pas, si il était en face. Bon, vous voyez, j'ai déjà oublié, pourtant, c'est il n'y a même pas un quart d'heure hein, que j'ai fait la vidéo, mais bon. Donc là je vous remontre le jour donc 6 avec donc la pancarte fleurie que je vous avais déjà présentée, et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé avec cette pancarte. Alors je suis en train de vous parler certainement, mais je sais plus ce que je disais, donc je te remercie encore. Oh oui, encore, oui, Odile, merci à toi. Alors, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, c'est pas évident de parler en voix off comme ça. Donc, voilà, enfin, le tag est là. Numéro 6, donc comme je vous montre là, j'ai fait mon tamponnage, j'ai pris donc de l'aquarelle pour venir colorier tout ça, j'ai pris une poupette, un tampon clear de chez Temu, avec donc bien sûr je l'ai tamponné avec de l'encre vert saphine noir, ensuite avec des aquarelles, je suis venue voilà colorier tout ça, et j'aime beaucoup voilà l'effet que ça fait. J'ai l'impression qu'elle tient la, voilà la pancarte, les pancartes, enfin le voilà la pancarte, oui. Et j'ai mis donc des petites étoiles. Le fond, j'ai pris un autre tag et j'ai essayé voilà de faire un petit fond pour rappeler le tag, et puis un peu nuage, enfin des nuages, voilà. Et voilà, hein, je pense que on voit bien. Donc je vous laisse contempler. J'ai mis aussi, vous voyez, sur le côté des petits drops. J'aime bien les drops. Et, voilà. C'est, je trouve que ça fait une belle finition. Donc ensuite là, je prends donc le pochoir que je vous avais déjà montré. C'est le tag numéro 7. Donc j'ai fait un fond avec les pochoirs et puis les dies, et puis aussi avec la peinture pailletée que Odile m'avait offert. Je suis venue donc faire mon fond avec. D'ailleurs je vais m'arrêter là, je vais vous montrer une petite séquence comment j'ai réalisé voilà mon fond avec sur le tag. Ok, à tout de suite.
ces articles. Je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé donc pour le 7e tag du mois de décembre. Voilà, je vais vous montrer. Là, je fais un petit peu de rangement. Non, pas de rangement, mais je décale un peu pour laisser de la place pour le tag. Voici. Donc, je me suis servi de dies, bulles, étiquettes pour pouvoir me servir donc des dies de chez Scrap Didi. Voilà, au centre. Et ensuite, ben, je suis venue utiliser des die cuts du bloc de chez Action. Voilà, comme le gnome, les petites photos du sapin, etc., le petit gâteau et tout ça. Et au centre donc des dies, j'ai mis donc capturer le bonheur, la vie est belle et embrasser le présent. Voilà, autour j'ai ancré et puis voilà quoi. Donc bah, j'espère que voilà mes tags vous ont plu. Et puis, ben, des fois, ça peut donner aussi des petites idées. Et puis, en soi, je crois que Scrap Didi va mettre, bien sûr, après qu'on ait découvert voilà, tous nos petits présents dans les petits sachets, vous allez pouvoir les retrouver dans leur boutique. Donc, n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça n'engage à rien. Mais en soi, voilà, pour l'année prochaine, pourquoi pas vous les procurer pour réaliser ce genre de petites créations. Voilà, bah, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien, passez un très très bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.